jamais chercher à sentir le contenu d'un Merci. récipient. Merci, Ali. Cyrine, Khala. Se laver les mains après chaque produit chimique. Attacher les cheveux longs. D'accord. Et si on a touché les yeux avec des produits chimiques, on doit tout de suite laver. Merci. Hassan Mrouvi, commencez à Oui, lire sir. l'exercice 1. Quoi? Exercice 1, c'est quoi? D'accord. Le premier, c'est un bécher. Lire la question de 1. Ah, d'accord. Exercice à nommer les verrueries représentées dans le document suivant. D'accord. Le matériel 1, c'est quoi? C'est un Messieurs? bécher. C'est un bécher. Merci, Bécher. Hassan. Monsieur, là, أكيد أستاذ، كل شيء بنعرضه كان ياكل وبينزع على الملف. oui, merci. زهراء صفي الدين. Ça, je peux. زهراء. Fiole jaugée. زهراء، oui, d'accord. Deuxième, c'est fiole jaugée. Fiole jaugée. Très bien, merci. Donc, le 1, c'est un bécher. Monsieur, vous devrez écrire, hein? Vous devrez écrire ça sur le cahier. Donc, fiche supplémentaire. استاذ نكتب على كتاب الكتاب الشيمي لانه انا ما عندي الكيان بعد ما انا بعد ما اعطيكم كيان من المدرسه استاذ. لا استاذ طيب حسبتنا الكتب يلي بعد ما معه كيان يكتب هلا على بريون او على كيان هو بيعمله هلا للشيمي. استاذ اكتبهم على بريون وبعدين بنقلهم بجيب Ça va très bien. Yala, pour ne ok, pas c'est perdre bon, c'est bon, j'ai le docteur. Yala, prendre une minute pour préparer, pour vous préparer. استاذ بيزن نكتب واحد واسمه هيك يعني لما نكتب الاسم ونحط حدو الاسم اكيد انا حبعت لكم الباوربوينت الوورد استاذ حبعت لكم اياه اوكي اوكي Donc, un, c'est un bécher. Deux, c'est une fiole jaugée. C'est un bécher. C'est fiole jaugée. Mikan Talib Elizin avant. Maintenant, pourquoi? Donc, c'est une fiole jaugée. Deuxième matériel, c'est une fiole jaugée. Il y a le troisième mot. Qui veut répondre? Matériel 3. Je peux faire. Jinan, Saleh. Oui, monsieur. Oui, tu peux répondre. Oui. Matériel 3. Oui. Tu sais c'est quoi? Matériel 3. Oui. C'est stand avec anneau de fer. On dit c'est support. On a dit corriger ça. Pas stand, c'est support. D'accord. Support plus... Anneau. Support plus pince en bois. Non, regardez bien, c'est un anneau de fer. Non? Alors c'est support plus un anneau de fer. Okay. C'est clair? Oui. Oui.
Y a-t-il deux questions, monsieur, sur le premier? Monsieur, une minute. Monsieur, une minute. Une minute. Oui. D'accord, Mahdi. Dépêche-toi, Estèse. Et les autres, réfléchir à propos des autres matériels. Regardez. On a autres cinq matériels. Monsieur, je peux faire. Monsieur, je fais 5, 6 et 7. Très bien. Yara Hawi. Oui. Quatrième matériel. Yara Hawi, quatrième matériel. Ballon à fond plat. C'est ballon à fond plat. Yara, à fond. Donc, très bien. C'est un ballon à fond plat. Merci. Cinquième matériel. Anna. Mien Anna. Racha, oui, Racha. Oui, Jean-Baptiste. Hassan, Anna, Chefak, Estez, Amir Reizhan, بس بدي أعطي مجال لغيره. D'accord. Et Habibi, tu as répondu au premier matériel. طيب هلا منتونو كان عندنا رشا وي رشا تيجان فير سي كوا الماتيريال 5 تيج ان فير سي تيج ان فير تري بيان علي تهتا وي وي سيزيام ماتيريال مسيو سباتول سي اون سباتول برافو. Donc, c'est spatule. Yalla, Alice Kakijewa, ou Serine, bonjour, Tia Maria. Malak Jaffal. Malak Jaffal. Malak Jaffal. Manna Mawjoud. Nour Swaydan. Oui, Estaz. Yala Nour. Septième matériel. Qui veut répondre? Lynn Chalhoub. Oui, Estes. Ballon à fond plat? Non, septième. Le 7, le numéro 7. Regardez, ça, on a déjà répondu. C'est 4. Maintenant, 7, ah, 7 oui. Matériels. Yala, essayez de répondre. Ballon à fond plat, à fond rond. C'est quoi? Monsieur, le 7, c'est en bas. C'est un peu dur. L'affiche, monsieur Mbaïna Ande. Manon Mbaïna, le page Ande. Non. Attendez. La Othar ou Ajafou. Non, non, Khali qui est thèse. Essayez maintenant. Regardez. Maintenant. Oui, je vois. D'accord. Quatrième matériel, c'est ça, en bas. Ça, c'est ça? Ok. C'est quoi le 7? Je sais pas. Ah, d'accord. Oui, Céline. Vert de montre. C'est vert de montre. Bravo. Donc, faites attention, monsieur. Vous devrez étudier. De même, il faut bien apprendre la forme de chaque matériel. Yala, le 8. Monsieur, je peux. Mira Bourgi. Mira Bourgi.
pince en bois. C'est pince en bois, d'accord. Merci, pince en bois. Très bien. Donc, comme ça, on a terminé l'exercice 1. C'est pince en bois. C'est fini. Bien. Vous avez écrit ça sur le cahier? Oui. Oui. D'accord. Oui. On peut continuer maintenant. Non, non. Non, non. Il y a des pêcheurs. Monsieur, à quelle page? Quelle page de quoi? On va écrire ça où? Sur le cahier. Cahier de chimie. Celui qui n'a pas le cahier de chimie écrit aujourd'hui sur Bruyant, mais la prochaine fois. Le cahier bleu? Non, Jean. Ok. استاذ بس نعملهم ونخلص لازم نبعت لك اياهم نو استاذ حنرجع ان شاء الله نقول على المدرسه وانا بدي اشوف الكاييه انتم مسؤولين تكتبوا على الكاييه وبس نرجع على المدرسه انا استاذ انا ما عندي الكاييه فكتبتهم على الكاييه بغيون سافا على البغيون بس اكيد لما يصير معنا الكاييه كلنا بدنا نكتب على الكاييه ننقلهم استاذ وي استاذ هتبعت الورد هنبعت لكم اياه استاذ مي فو دوفري اكريغ سور لو كايي اوكي استاذ كايي جون غران امتى حنفوت على المدرسه نرجع مسيو جو سي با فريمون ان شاء الله بنقول قريبا حسب الوضع يلا تيرميني سا فيني وي Non. Non, alors dépêche-toi. Il y a la dépêche chez vous, monsieur. Ça va? Oui. Exercice 2. Yala, préparez l'exercice 2. Écrivez si l'instruction est vraie et F si l'instruction est fausse. Yala, prendre 2 à 3 minutes pour répondre à cet exercice. Oui. Monsieur, je peux? Je peux. Yala, attends 2 à 3 minutes. Peux. Attends. De 1. Réponds aux questions et écrire les phrases sur le cahier. استاذ فيك تعب فيك ترجع تعدي بليز كنتش بالحصه طلعت بالغلط طيب تويا اكري لي ريبونس اكري افيك نو ليكزرسيس 2 يا مهدي وي دروك مجال الاكزرسيس 1 صبايا وشباب اللي كانوا ديجا حاطين ريز هاند ما ينسوا يشيلوا بس يخلصوا استاذ انا هلا حطيت ريز هاند بوركو اون اكري بنسن ماجسكول بلاك بنسن وي لانه هيدا سي لو نو دو لاباري دو ميم ما بنقلد عليها بس دائما بنحط الباك بنسن كل بنسن بنحطها ماجسكول
Monsieur, tu peux agrandir la fiche? Quoi? Tu peux agrandir la fiche? Non, Bisma, allez au sautu, c'est. Monsieur, fais-tu taber à la fiche? Ah, d'accord. C'est bien comme ça? Oui, merci. De rien. C'est quoi le Big Ben Senia, Mohamed Mahdi? Mohamed Mahdi, c'est quoi le Big Ben Sen? Tia Maria, c'est quoi le Big Ben Sen? Monsieur, où est le Big Ben Sen? Le Big Ben Sen. Hassan Mrouwi, c'est quoi le Big Ben Sen? Oui, le Big Ben Sen, c'est un varerie dans le laboratoire. Il allume et il a du feu. D'accord, donc c'est l'appareil de laboratoire destiné à produire une flamme. Et c'est comme le four. On l'utilise pour chauffer quelque chose ou pour brûler quelque chose. Il y a la Tia Maria, les phrases 1. Ne laissez pas un Big Ben Sen allumé dans le laboratoire. Oui, c'est vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Je n'entends pas bien. Pourquoi c'est faux? Monsieur, tu peux recommencer, c'est quoi Big Ben Sen? Big Ben Sen? Le Big Ben Sen, c'est ça, monsieur, regardez. Voilà Anna. Il y a l'attention, c'est ça. Regardez sur l'image. On a fait dans le PowerPoint. Est-ce que vous l'appareil de chauffage dans le laboratoire? Anna, tout. Regardez ici. Bayan, عندكم le PowerPoint? Non. Ça va, monsieur. هيدا البيك بنسن. هيدا انه اساس ما عم ندرس. Regardez le Big Benson. Ah, OK. هيدا دليل انه نحن ما عم ندرس استاذ بالبيت. Si tu ne sais pas c'est quoi le Big Ben Sen, alors c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas étudié. Alors la phrase 1, ne laissez pas un Big Ben Sen allumé dans le laboratoire. Ali Tahta. Peut dire? Ali Tahta, c'est vrai ou faux? Malak Aïdibi. C'est vrai. Vrai. Malak, donc c'est vrai. Donc il ne faut pas laisser un Big Ben Sen allumé. Alors c'est vrai. Oui. Deuxième phrase. Et ça veut dire quoi, inhaler? Inhaler, on est inspiré. Ahmad Harb. J'ai pas entendu bien. Oui. Oui.
Yalla, lire la deuxième phrase et répondre. Dépêche-toi. Nous pouvons toujours inhaler un produit chimique dans un récipient. Donc, c'est vrai. Ça veut dire quoi, inhaler? Inhaler, elle est inspirée. Faux. Donc, c'est faux. Ça va. Nous pouvons retourner les produits chimiques inutilisés dans les flacons de réactifs. Nour Swaydan. Oui. Oui. Réponds. C'est faux. C'est faux. Bien sûr, il ne faut pas retourner les produits qu'on a prélevés de flacons de réactifs. 4. Je peux dire? Je peux. Monsieur. Déjà, je vais prendre quelqu'un après que je ne vous ai pas dit. Moi. Qui est moi? Moi, Monsieur, je peux dire? Je peux dire. Moi, monsieur. Viens là, monsieur. Oui, répondre. Je peux dire. Non. Min ali moi, monsieur. Yala. Moi, Lien. Yala, Lien. Vrai. Donc, nous ne touchons jamais aux produits chimiques à moineux. C'est vrai. Donc, c'est vrai. D'accord. Alors, vrai, faux, faux, vrai. C'est clair? Oui. 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 Y a-t-il de questions? Non. 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 C'est clair pour tout? Oui. 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 D'accord. Donc, comme ça, on a terminé la fiche. Monsieur, de même, aujourd'hui, on va commencer avec une introduction à propos du chapitre 1. On a chapitre 1. Aujourd'hui, on va faire une introduction à la chapitre 1. C'est la classification de la matière. Avec la classification de la matière, alors, de 1, c'est quoi une matière? Qui veut répondre? Qui peut répondre? C'est quoi une matière? Par exemple, une table, c'est une matière. Oui, c'est une chose. Donc, tout ce que nous entourons, on l'appelle matière. Matière. Quels sont les états physiques de la matière? C'est de 1. Donc, on va voir quels sont les états physiques de la matière. Vous, déjà, vous avez déjà étudié ça en physique? Oui. De même, on va prendre une information générale en chimie à propos des états de la matière. Donc, lorsqu'on va parler de l'état de la matière, ça dit quoi? Écoutez bien pour cette vidéo. Kinnamnamo le mute. Rapidement. Merci. Baad fi hada ma amel le mute. Ah, très bien. Alors, écoutez bien. Pour cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo qui s'intègre dans le chapitre 1 du thème matière, les états de la matière. Vous avez vu trois états que pouvait prendre la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les propriétés de ces trois états, c'est-à-dire les caractéristiques qui différencient ces états et qui permettent notamment. Donc, il y a trois états de la matière. État solide, état liquide et état gazeux. Oui. Non. Mais c'est le
Alpha ou tout. Mien Estes. Nadia Osaili. Merci. Yeah. Commençons par l'état solide. La forme d'un matériau à l'état solide ne change pas, peu importe le récipient dans lequel on le met. On dira qu'un matériau à l'état solide possède une forme propre. Donc, un solide possède une forme propre. C'est la première caractéristique, l'état solide. Il garde la forme qu'il a dans cet état. Par conséquent, il possède aussi un volume propre. Son volume n'est pas modifié. De plus, un matériau à l'état solide est incompressible. Cela signifie qu'on ne peut pas le compresser, c'est-à-dire réduire son volume. De même, on ne peut pas l'étendre non plus. Intéressant. De même, monsieur, j'ai répété l'explication. Regardez. Donc, de même pour le solide, possède une forme propre et un volume bien déterminé. Donc, le volume n'est pas modifié, c'est-à-dire possède un volume propre. Donc, pour l'état solide, pour les solides, il possède une forme propre et un volume propre ou bien déterminé. Ça va? Oui. Y a-t-il des questions à propos du solide? Non. Compresser, c'est-à-dire réduire son volume. Donc, de même, le solide, on ne peut pas les compresser. Nous l'avons incompressible. De même, on ne peut pas l'étendre. Intéressons-nous maintenant à l'état liquide. On peut voir ici que la forme à liquide dépend du récipient dans lequel on le verse. On peut constater qu'il prend tout simplement la forme du récipient. Donc, pour le liquide, toujours, le liquide prend la forme du récipient qu'il contient. Une caractéristique est notamment utilisée. Oui. À des glaçons, par exemple, l'eau prend la forme du bac et une fois l'état solide, cette forme ne peut plus être modifiée. Remarquons que, peu importe le récipient et l'inclinaison de son récipient, la surface libre du liquide, c'est-à-dire la séparation entre le liquide et l'air, reste horizontale, parallèle au sol. C'est une propriété importante. Alors, est-ce que le volume d'un liquide change? Ici, est-ce que ces deux récipients contiennent un volume différent? Pour le vérifier, on peut utiliser les graduations de l'épreuve graduée. On constate que le volume n'a pas changé. Donc, le volume d'un liquide ne change pas, c'est-à-dire possède un volume propre. Mais la forme de liquide change selon la forme de récipient. Comme à l'état solide, un matériau à l'état liquide possède un volume propre. De même, استاذ نعم مسيو هل بتقلك تريين العالي تفوتا مسيو دارين من مبين عندي سيز لو هي طلبت ترجع تفوت على الميتينج كانت بينت عندي مسيو جين كيستيون وي كي يا ان كيستيون مع حسن وي حسن Et ça ne va pas détecter sur le volume. Le volume, yani, si on a, par exemple, le volume, monsieur, regardez. Haïda le bic. D'accord? Haïda le bic. Si tu as mis le bic dans la trousse, il occupe un volume. Volume, yani, hajem, maïan. Oui. Oui. Et ça, on a chelé tout le trousse, yani, monsieur, haïda sur la table. Hal le volume occupé par le bic va changer? Non. La forme ne bouge pas. On ne peut pas parler tout en même temps. Bon, le volume, c'est-à-dire, regardez maintenant, on a cette bouteille d'eau. Bien. Maintenant, regardez, l'eau ici occupe. On prend la forme de la bouteille. De même, sur le volume, si on le met dans un autre récipient, le volume ne change pas le volume. Ah oui, c'est
Qui a parlé ici? Qui a parlé? Parlé qui? Qui n'a pas parlé le mute rapidement? Bien. حسن فإذا الأستاذ الفوليوم هيدا أنا بعتبره هو الفوليوم دلو أنا هالقد عندي مي إذا جيت أنا شيلتهم حطيتهم بأوتخ ريسيبيان هل هيدا الفوليوم من الأو حيتغير؟ Le volume ne change pas. Ce qui va changer, c'est la forme de l'eau. L'eau prend la forme du récipient qu'il contient. فهمنا شو يعني الفوليوم؟ Oui. D'accord. On va continuer pour les gaz. À l'état gazeux. Comme on peut le voir sur ces photos, un gaz prend la forme du récipient qu'il contient. Il ne possède donc pas une forme propre. Donc les gaz ne possèdent pas une forme propre. Mais si on ouvre le récipient ou si on augmente le volume du récipient, donc le gaz peut occuper tout l'espace. مش مثل الليكيد بس اوكوب مثلا لو ريسيبيان لانه اذا كان الريسيبيان اوفير لو غاز اوكوب تو ليسباس مثل الاستاذ عندنا نحن نيت بارفان جيت انا كان هيدا الغاز موجود بقلب عينه البارفان جيت كسرت انا هيدا الغاز رح ينتشر بالبيت كله فهون نحن بنحكي انه الغاز هو اكسبونسيبل يلا ريغاردي Donc, le gaz occupe tout le volume disponible. Et si nous mettons le gaz dans la chambre, le gaz occupe toute la chambre. Et si nous ouvrons la porte de la chambre, le gaz occupe toute la maison. D'accord? Oui. Un gaz est-il compressible? Nous prenons l'air qui est un mélange de gaz. On peut voir qu'on peut effectivement le compresser. Demain, on peut l'étendre. Un gaz est donc compressible et expansible. C'est une propriété très intéressante des gaz. Quand on compresse un gaz, la pression de ce gaz, c'est-à-dire l'action qu'exerce ce gaz sur les parois qui l'entourent, augmente. C'est grâce à cela qu'on peut gonfler le pari. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de remplir le tableau à disposition et de retrouver vos questions. Alors, le solide possède une forme propre et un volume propre. Le liquide prend la forme de récipient qu'il contient et le volume reste constant. Le gaz ne possède ni forme propre ni volume propre parce que le gaz occupe tout l'espace. Pour aujourd'hui, c'est suffisant. Alors, étudiez ce qu'on a Malak Jaffar, il a bien amené le chat. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est ce que je veux dire.